tout. Ok, c'est parti pour la suite, les amis. Ah, attendez, je peux ramasser des munes. Ok, on va prendre ça, vu que j'en ai 115. Oh, ça. Ok. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Joe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Tomb Raider, totalement épique et stressante. Si vous vous souvenez du dernier épisode, j'étais pas bien. Et là, je suis pas beaucoup mieux. Oh shit. Faut être malade pour faire ça. Faut être malade. Vas-y. Allez, Lara. Je prends toi. Mon gars, tu te prends une planche. T'es pas bien. Hus. Allez, 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 allez. Hus. Oh, le stress. Quelle idée d'habiter. Oh purée, on entend les planches. Les planches se faire défracter. Pas moyen d'ouvrir ce truc. Ok. Elle est là. Toi, Arty, tire pas. On doit s'ouvrir. Les gardiens. Ah, rien, je vais guider là. Elle nous tire dessus. On va s'entraider. Ah ouais. Bah alors me tirez pas dessus. Okay. Voilà. Wow, 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 wow. Ok. Ok. Oh la chance qu'il a eu lui. Mama. Mamma mia. Ok. Pas si horrible que ça finalement. Les mecs ont voulu que je les en... que je les aide, mais ils ont totalement craqué. La sortie était juste sous leurs pieds. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Mais vu que je suis Lara Croft, je suis très intelligent. Hein. Quoi. Tu es un abruti, mec. Tu es juste totalement abruti. Ah, modification d'armes disponible, c'est cool ça. Totalement à l'ouest. Alors, oh là là, oh ça pue l'énigme. Oh ça pue l'énigme. Ah, je sens que je vais pas aimer ça. Ok. Je sais pas ce que ça, si on ouvre, ça va pousser le machin. Ça, je peux l'accrocher à quoi? Cette cloche pourrait faire l'affaire. Ouais. Genre essayons d'abord de faire quelque chose avec. Non. Ça n'a pas entendu. Parler d'avant. Allez, viens par là, toi. Et bim. Ouch. Ok, ok, on va refermer ça, on va refermer. Y'a pas de soucis. Allez. Voilà. Hein. Faudrait un coup, ça te détruit la moitié de la baraque. Oula. Préparez-vous au pire. Non. Ah, une petite caisse de munitions là. Hop. C'est le but. Ouais, le mec qui pop sur moi, genre. Ciao. La sortie était juste sous leurs pieds. Ah, pas ciao. Je pense pas, non. Quoi.
je refuse que t'aies la tête blindée. Encore un arc, ok. La sortie est juste sous leurs pieds. Pas sérieux les mecs quand même. Merde, j'ai pas intérêt à rentrer ici. Ouais je sais, mais attends. Cette cloche pourrait faire l'affaire. C'est là, j'ai pas fini mon taf. Ok. J'y retourne. Est-ce qu'il faut que je referme ça? Oui, il faut que je referme. Ok, j'ai capté. Hop, on prend ça. Hop, on tire ça. Est-ce qu'on peut tirer ça sur la cloche? Raté. Cette fois-ci, c'est la bonne, je pense. Non? Que si on réouvre ça un peu. Allez. Si on ouvre les deux, ça fait quoi? J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, mais... Non, non, où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Ok. La direction est totalement buggée, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Oula, t'avais pas appuyé sur la touche? Non, non, non. Monstrueux. Quoi? Non. Non. Okay. Ouais, si seulement j'avais une mine de bombe, je serais dans un... une étape problématique. Sam, est-ce que les autres sont avec toi? Non, j'ai juste réussi à voler une radio à un garde. Un garde? J'ai été enlevée. Quoi? Où es-tu? Je sais pas, un vieux palais japonais. Ils arrêtent pas de parler d'un rituel de feu. Lara, j'ai vraiment peur. Merde, j'entends quelqu'un. Je vais devoir cacher ce truc. Sam? Sam?
Un rituel du feu. Comme sur la fresque dans le tombeau. Ross, tu es là? Je me dirige vers le palais. Les autres y sont enfermés aussi. Ok, je te rejoins et on y va ensemble. Ok, allez, on rejoint Ross. Encore une fois. Oh yes, un feu de camp. Quoi? Ne pouvait pas empirer. C'était quoi ces choses dans le monastère? Ils étaient vêtus comme les gardes tempêtes. Leur cri était presque inhumain. Merde, arrête, Lara. Écoute-toi un peu. On croirait entendre papa. On dirait les vestiges d'une civilisation perdue. Non. Là, je parle vraiment comme papa. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tué ces hommes et qu'ils n'auraient pas hésité à me tuer moi aussi. Je ne dois pas penser à ça pour l'instant. Sam est en danger, et je dois la ramener. Elle compte sur moi. Ok, bon, on va essayer de s'attribuer un point de compétence. Ajouter on peut déplacer par moment, augmenter votre résistance aux dégâts de chute. Alors là, je dois avouer que je ne sais pas trop. Je dirais peut-être recyclage. Mais se déplacer plus rapidement, c'est pas mal aussi. Allez, on va prendre agilité. Ok. Et ensuite, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose avec? Normalement, oui. La gâchette porte-clé permet d'avoir une cadence de tir. Là on a quoi? Manchant que augmenter les dégâts, ça peut être cool. Cadence de tir. On va augmenter les dégâts. Voilà. On va augmenter les dégâts, comme ça c'est fait. Et on est parti pour la suite. On va essayer d'aller retrouver Rose donc. Non mais genre, c'est quoi ce feu de camp? Il m'aime pas. C'est ce feu de camp. Lara. Alors, hop, on va. Non, chaque fois que je me trompe. On va faire ça. Hop, je veux voir ce qu'il y a, hein, si jamais il y a des bonnes récompenses. Ça peut être cool de les avoir. Ah, mais non. Non, je suis pas d'accord. Je suis totalement pas d'accord. Huss! Hop, on a une autre petite statue, 6 sur 10. Voilà, comme ça c'est fait. Est-ce que je peux? Ouais, ça va. Lara en est capable. Soit il y a deux chemins. Soit je ne sais pas. Bon. On va prendre celui-là. Quand j'ai commencé, autant le finir. J'ai pas mal de munitions quand même, ça va. Je m'en débrouille pas trop mal. Alors. Oh, ça faisait un bac qui avait pas eu de truc pour les munitions. 1 sur 3 pièces d'un fusil. Ok. Cool. Statuette suivante. Ok. C'est que ça ne devait pas être par là. Si. Oh. Oh. Salut toi. C'est Chaco ou un casque. Oh. Ah, oh, je t'avais pas vu. Non mais mec...
côté. Bah en fait, c'est plutôt cool, ça m'a permis de snipe d'ici. Ok. Du coup, cette phase a été plutôt tranquille. Ok. Pourquoi pas, ça explose tout seul. Hein. Tiens, je passe après. C'est pas trop. Non. Ok, alors, est-ce qu'on peut récupérer quelque chose de good? Non. On peut pas, y'a rien. Y'a rien, sniff. Hop. Yes! Je sais même plus où Ross est, alors je suis le chemin, mais. Non. Ah, non. Il y a une caisse. Je suis là, Sam. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils me veulent, Lara? Un rituel de feu? C'est du délire! Écoute, je viens te chercher. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là. Je t'en prie, sors-moi d'ici, Lara! C'est promis. C'est promis, Sam. Hé! Oh non! Sam! Non Sam! Allez! Lâchez-la, bande de salauds! La touchez pas! Bien. Alors moi je m'en fous, je vais chercher ma caisse. Voilà, je suis le mec qui a aucun respect. Hop. Ah, une seule munition genre. Truc ultra radin. C'est un rayon de soleil, je croyais que c'était quelque chose. Ah. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Eh, hey, je suis curieux. Une munition. Ah ouais, c'est vraiment à dire... En dépense une, je t'en donne une autre. Ah, vous voyez ça? C'était juste derrière là. Combien? Oh! Oh, je suis un génie. Quel génie. Je m'aime. Ici, on était déjà passé. Et oui, ok, je reconnais l'endroit. C'est là où Ross s'était fait manger la jambe. Ok. Et là, il n'y a rien derrière? Ah, si. Et sauf que je suis plein. No problème, no problème. Genre ça fait genre monte et saute. Et c'est exactement ça. Oh yes. Oh là là, le génie parle. Ok. Une petite lecture. En tant que prêtresse de la reine solaire, tous mes besoins sont pourvus. Je suis la favorite. On m'enseigne les langues, la bienséance. L'histoire, la guerre, tout ce qu'une reine doit savoir. La reine se comporte comme une mère avec moi, chaleureuse, attentive, aimante. Mais je sens que ce n'est pas naturel. Quand je parle aux autres prêtresses, je sens une inquiétude. Certaines ont la même impression que moi, peut-être même toutes. Mais pourquoi? De quoi avons-nous si peur? Je pense que t'as peur d'un potentiel rituel du feu. Ok. Bon bah je suis content de moi là, à tout fouiller comme ça. Je suis fier de moi. Ok, c'est parti. On y go. Ok, toujours pas. Ok, toujours pas. Genre tu peux pas porter une munition de plus non? Parce que là c'est un peu du gâchis. Toujours plus. Quoi? Je sais pas. Un morceau de l'avion? Reste là. Je suis un morceau d'avion. Coucou! Je suis le morceau d'avion. Rien ici! Putain de ruine. Ces saloperies s'écroulent dans toute l'île. Tu. Non? Tu veux pas venir? Ah, c'est un peu dommage. Je suis déçu de toi. Wow, jackpot! Un réservoir plein! Le laisse pas! C'est quoi ça? Oh là là, oh là là. Oh là là, qu'est-ce que je suis bon. Ah, qu'est-ce que j'ai été bon. Ah, je vous avoue que je me suis plus senti.
et j'étais à la manette. Fusil à pompe encore. Oh yes. Oh là là, c'est la régalade. C'est la pure régalade. Ok, il faut aller par là. Alors, allons à l'opposé. Ok, on aurait pu tout faire péter, mais du violence. Ok. Y'a rien par ici. Oh, attendez. Petit endroit caché là. Oh 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 oh. Ok, mon frère. Quoi? Apprends à viser. Attends, et moi c'est là. En fait je dis ça mais... Ok. Hop là, j'ai le don pour trouver les endroits pour camper. Hop. Voilà. Ah ouais, t'es plutôt résistant toi. Ok. Ça y est ou... Comment ça se passe les gens? Je pouvais passer au-dessus. Genre je pouvais les snob en mode... Là tu m'as pas vu. Allez, on va faire le gros rapia. À 45. Oh là là. C'est bon ça, c'est bon. Bon. Plutôt tranquille. Ah! Ah bah, ouais, d'accord. Ah, j'avoue que ça doit être galère de tirer de l'ombre. Ok. Ok. Ok, je sens que ça va encore plus là. Pas moyen de contourner. Je dois traverser. Te prends pas les barbelés, c'est tout ce que je te demande. Lara, tiens bon, tiens bon. Je te soutiens. Ok. Mais non. Genre, j'appuie sur la droite, vraiment. Bon. Ça doit faire tellement mal. Je suis sûr qu'on meurt à ce temps. Ok. Je gère. Je gère. Non, mais on n'y voyait rien. Ok. Bon, c'est encore à droite. C'est pas grave. Jamais 3 sans plusieurs. Allez, Lara, c'est la bonne. Ok.
Ok. Contrôle-toi. Non! Oh, c'est terrible! Oh là là! Oh, c'est horrible! Allez, je me concentre. Ok, non, je pensais pas faire du parachute. Ok. Désolé, Laura. Désolé. Ah, c'est terrible. Non. Les bleus qu'on doit avoir à faire. Chercher une trousse de soins, je suis d'accord. Ah purée, je m'attendais pas à faire du parachute, hein, vraiment. Ça m'aime vraiment quelque part ici. Ouais, non, ça mène nulle part, c'est ce que je me dis. Bon, on va essayer de trouver un feu de camp pour s'arrêter. Bon, ça va, j'ai réussi le premier parachute du premier coup, donc ça compense un petit peu la balade. Je voudrais juste un feu de camp. Ok. De toute façon, je suis sûr qu'elle avait pas la force de sauter, donc au moins c'est réglé. Il y a peut-être des provisions à bord. Oh, le cerf. Une caisse. Okay. Oh, ça fait mal. Et pour l'autre alors? Rien, que dalle. On continue de chercher. Bon, on va aller plus vite. Fais qu'ils sont foutus de même avec les cerfs. Pas de quoi lui parler. Pitié. Tu mens. Je sais que tu t'es enfui avec lui. Pitié. Je connais quelque chose qui te fera parler. Dis-le-moi. Pas le voir tomber ici en fait. Ils étaient censés le faire parler, pas le tuer, non? Ah! Ok, ils lui ont brisé les. Raquel,
c'est terminé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le chamanien, il a fait tous les temps. D'accord. Toujours aucun signe des lieux. Non. Il est costaud, mais il n'ira pas loin. Et les autres, ça donne quoi? On les a enfermés dans les grottes. Je comprends pas. Pourquoi ma fiacre est encore à le garder? À cause de la fille. Ils essayaient de la trouver. En les gardant en vie, ma fiacre l'a tiré à sa merci. Franchement, j'espère que c'est l'élu. Quoi? Allez. Venez m'aider! Je me fais calarder! J'ai chaud. Ok. Alors, ça s'est plutôt passé de manière safe. Alors, oh. Ah, super. On va se décoincer. Bon, je veux mon feu de camp, moi. Améliorer. Ok, non, ce n'est pas possible ici. Je veux mon feu de camp, petit, que ce soit un feu de camp. Ok. Dis-moi ce que t'as. Ah, c'était juste un bidon, c'est pas vrai. Les amis, il faut s'arrêter. Pour le bien de notre cœur. Alors. Ah, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Ça, je peux pas le monter. Je suis tellement en mauvais état. Je veux un feu de camp, hein. Je veux mon feu de camp, je l'aurai. Oh, regardez, ils jouent aux échecs. C'est plutôt marrant. Ok. Purée, mais où est ce feu de camp? Ok. La recherche du feu de camp perdu. Ça va faire mal. Ça c'est fait. J'en profitais, hein, vu que je suis plein de balles. Toujours les mêmes munitions. Ok, on arrive à l'hélico, les amis. Alors, hop, on va faire ça. On va tirer la cale en arrière pour pouvoir passer. Voilà. Merde.
Yeah, flèche incendiaire, c'est bon ça. Ross, tu m'entends? Ross? Lara, tu vas bien? Je vais bien. J'ai pas l'impression que j'ai... Je vais bien, Ross. Où es-tu, Lara? Je suis dans une espèce de bidonville, près du palais fortifié. Je suis toujours sur la colline. Comment tu as fait pour descendre aussi? C'est une longue histoire. Oui, je vois le bidonville d'ici. Tu es près du grand portail? Je me dirige vers lui. C'est la fille! Oh, merde! Là! Tirez, tirez! Je veux mon feu de camp, foutez-moi la paix. Oh. Ouf. Je pense qu'il faut... Ah, feu de camp. Ah. Foutez-moi la paix. Chance qu'il a. Ok, alors attendez, on va changer de méthode. Hein. Voilà. Oh là là. Hop. Non mais les mecs. Essayer de pas mourir, hein. Genre, sors ta tête, mec. Voilà. Ah. Hop. Non mais. Bonjour. Au revoir. Eh bien, j'ai cru qu'il... Purée, j'ai cru que j'allais jamais en finir. Je veux mon feu de camp. Ok, allez, on va au feu de camp, les amis. Ça a assez duré. Ça fait 20 minutes que je demande un feu de camp, un foutu feu de camp. J'en crois enfin un, hein. Fusil simple en fusil d'assaut. Ok. No problème. Vitesse de rechargement. Cadence de tir. Cadence de tir vu que c'est déjà une mitraillette. Hein, voilà.
Ah, ça par contre. Augmenter la portée du pompe là, ouais, ça c'est quelque chose de bien. Ok. Ensuite, on va voir. On va s'attribuer le point de compétence et on se laissera là. Qu'est-ce que j'avais besoin? Étourdir les ennemis, je m'en fous. Plus de munitions, ouais, parce que j'étais souvent plein et ça. Voilà. Bon, bon, c'est là. Hein. Comme je l'ai dit, après cette recousue monumentalement avec un briquet et une flèche. Eh bien, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser des conseils dans les commentaires. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.